Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite application super sympa mise à jour par Lionel récemment, c'est MobiCarbu Plus en version 5.0. MobiCarbu Plus est une application dont je vous avais déjà parlé il y a un petit moment de ça, on avait fait un concours à cette occasion. C'est une appli qui va vous donner les tarifs des stations essence pour de l'essence, pour du gasoil, pour du samplon 98 ou 95, du gasoil plus premium ou du gasoil normal, en fonction de distance, etc. Vous configurez la petite application et elle vous dit, elle vous classe automatiquement les stations, soit par prix, soit par distance, soit par marque. C'est une application super bien faite et qui revient à jour avec une version optimisée pour iPhone 6 Plus, ça c'est bien, et surtout avec un design un petit peu plus moderne, parce qu'il faut dire que l'autre elle avait quand même sacrément mal vieilli. MobiCarbu Plus est une application un peu chère entre guillemets, puisqu'elle est à 4,99 5 euros, on va faire simple. Un peu chère pourquoi? Parce qu'on est habitué à des applications à 79 centimes ou 1,19 ou enfin moins de 2 euros dans tous les cas, et flirtant avec l'euro symbolique, mais c'est une application qui va être rentabilisée au premier plein que vous allez faire, si vous êtes à un endroit que vous connaissez pas. Évidemment, je suppose, comme moi, que vous connaissez à peu près les stations essence qu'il y a autour de chez vous et que vous savez à peu près laquelle est la moins chère, etc. Donc, les écarts par plein, c'est 1 euro, 2 euros. Mais quand vous partez en déplacement, etc., si vous vous éloignez un petit peu de votre domicile et que vous connaissez plus les stations qu'il y a autour de vous, eh bien, MobiCarbu Plus peut réellement s'avérer rentable. Hop, comme ça, au premier plein, vous économiserez facilement 5 euros. Testez, vérifiez, approuvez, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Cette application, je m'en sers depuis pas mal de temps, que ce soit MobiCarbu Plus, MobiCarbu qui est avec un abonnement il y a un petit moment, etc. Aujourd'hui, on parle de MobiCarbu Plus, qui est l'application qui s'achète une fois 5 euros et vous profitez de toutes vos stations essence, etc. L'application sait vous guider à la station essence en fonction de l'application que vous voulez. Elle va automatiquement détecter si vous avez TomTom, Navigon, Apple Maps, évidemment, Google Maps, Waze. Et quand vous dites « conduis-moi à cette station », pouf, elle saura vous y guider avec l'application que vous utilisez le plus souvent, ou votre application préférée du moins de guidage. Pour ne pas vous mentir, on m'a fait une réflexion qui est très pertinente l'autre jour. Quelle est la différence avec Waze? Puisque Waze est gratuit, par contre, et c'est également vous afficher vos stations essence aux alentours de vous, etc., aux alentours de chez vous. Ça fait que vous êtes obligé d'utiliser Waze pour vous guider à une station essence, et si vous êtes comme moi que vous aimez pas Waze, eh bien, je préfère payer 5 euros et avoir MobiCarbu Plus et pouvoir me guider ensuite avec Apple Maps, etc., plutôt que de devoir lancer Waze qui n'est pas optimisé, et je sais même pas si elle va encore survivre dans le temps depuis le rachat de Google. On dirait qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que cette application soit inutilisable. Dans MobiCarbu Plus, vous lancez votre application et vous avez, comme vous voyez, automatiquement les stations classées par prix, euro par litre, en fonction du tarif. Donc du coup, la moins chère à côté de chez moi, c'est Auchan, ensuite j'ai un Intermarché, ensuite j'ai un Esso, ensuite j'ai un Total Access, etc. Vous pouvez avoir vos stations favorites ici, qui sont les deux stations pas trop loin de chez moi, les deux stations de marque, entre guillemets. On peut sortir des favoris, on peut avoir les stations par distance, tout simplement, peu importe le tarif. Vous avez le petit code couleur qui vous permet de savoir si la station en question est chère ou pas chère, et vous pouvez ensuite les classer par marque, peu importe la distance, mais tant que vous êtes dans le rayon des 5 km comme on configure en haut. Si vous voulez utiliser autre chose, vous switchez, vous avez donc le 95, le 98, le gasoil plus, l'éthanol 10, le 85, le GPL, donc toutes ces conneries-là, et évidemment le 98 qui lui est bien. Vous pouvez choisir votre rayon de 3 à 50 km si vous êtes particulièrement joueur. Moi, comme j'habite en ville, je mets 5. Quand je vais chez mes parents qui sont à la campagne, mettre 10, c'est quand même pas plus mal parce qu'il n'y a pas des stations à tous les coins de rue. Et quand vous allez dans les réglages ici, vous allez pouvoir dire la navigation GPS. Je veux que tu la fasses avec, je sais pas si je vais avoir une mise au point, je veux que tu la fasses avec Navigon, là il me dit que Navigon n'est pas installé, TomTom n'est pas installé, Captain n'est pas installé, je connaissais même pas, Google Maps est installé, donc je peux faire de la navigation avec Google Maps si je veux, NavMe, Mappy GPS gratuit, et Waze si je veux faire ma navigation avec. J'ai ensuite, hop, le type de carte, plan satellite hybride, et quand je vais typiquement sur une station, Auchan, on peut la mettre en favori, on peut avoir les directions à cette station en utilisant, comme vous voyez, plan ou Google Maps qui sont les deux d'installer. On peut mettre à jour les prix si les prix ne sont pas corrects, et on peut appeler la station de Balmagram, 0561 26 73 00, si vous voulez leur passer un petit coup de fil. On abandonne évidemment. C'est, comme je vous disais, une application super bien faite, et vous pouvez, si vous voulez, venir rechercher des trucs ici, par exemple les stations de je dis n'importe quoi, Grenoble, clac, 38 000. Et paf, il va m'afficher les stations de Grenoble, à 5 km du centre de Grenoble, je suppute. Alors que si je reviens là, clac, on est toujours à Greux. Et non, il faut voir.
je reviens et je me localise à moi et je reviens sur les stations de Toulouse. Alors comme je vous disais, Mobicarbu Plus vaut 5 euros, ce qu'il y a de super. Alors comme je vous disais, Mobicarbu Plus vaut 5 euros, elle est sortie cette semaine sur iPhone, sur iOS, sur iPhone et iPad. Et comme Lionel est super sympa, il vous offre 10 licences à gagner. Alors si vous voulez savoir comment gagner une licence de Mobicarbu Plus, vous lisez l'article qui est en dessous de cette vidéo, ça changera un petit peu, pour une fois j'écrirai pas pour rien, et vous trouverez comment participer à ce petit concours qui dure jusqu'à lundi, je ne sais pas combien, 23, 24, 25, lundi 25 à 20h, pour gagner donc 10 licences de Mobicarbu Plus. Merci Lionel pour ce concours, merci Mobicarbu, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao!